Bon, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que j'ai les deux réservoirs qui sont complètement vides. Et là, du coup, il me reste une bonne dizaine de kilomètres à faire. Et j'espère que je vais pouvoir tenir, parce que sinon, je suis mal. Alors, pour rien vous cacher, j'ai vraiment bombardé, parce que j'ai oublié quelque chose au travail. Donc, du coup, j'ai fait une vitesse moyenne d'environ 150-160. Donc j'ai pu tester comme ça la vitesse max en thermique seule parce que la batterie s'est vidée. Donc on arrive à peu près à 190 km/h en vitesse de pointe thermique uniquement. Donc c'est un petit peu moins que quand il y a les deux moteurs qui tournent. Voilà, bien sûr la consommation, donc là oui, je peux confirmer qu'on est à 12 litres au 100 facile, uniquement thermique, et bien sûr à une vitesse 150-160. Hein. Voilà, donc c'était pour vous donner aussi cette information. Là j'essaye d'économiser au maximum le peu de litres qu'il y a. Du coup, je serre les fesses parce que là, on s'aperçoit que le petit réservoir essence fait vraiment défaut. J'ai pas réussi à recharger avec la conduite que j'avais, recharger donc la batterie. Donc, j'arrive même pas à avoir du 1 ou 2% qui pourrait peut-être aider à avoir une meilleure autonomie. Enfin, à faire peut-être les quelques kilomètres pour aller à la pompe. Voilà, bon ça aussi ça fait partie du test de l'essai. J'avoue avoir vraiment bombardé. Donc là au niveau autonomie, alors attendez. Ah non, ça c'est pas le bon. Ça est ici. Donc avec le plein pour le coup, j'ai fait voilà une moyenne de 10 litres 4 pour 330 km. Donc avec une conduite vraiment très très sportive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, là, heureusement que j'arrive à une pompe à essence. Parce que sinon, je serais mal. Regardez, j'ai deux jauges. Elles sont 100% vides. Toutes les deux. Voilà, enfin arrivé à destination. Ouf, enfin destination pour mettre du carburant en tout cas. Donc j'ai vidé complètement le réservoir électrique. Il me restait plus que l'essence. En fait, il a fallu que je fasse demi-tour pour aller au travail parce que j'avais oublié quelque chose de très très important. Du coup, j'ai pu tester la vitesse max en thermique uniquement vu que la batterie elle était vide. Donc, on atteint à peu près les 190 km/h. On n'arrive pas à les dépasser. Voilà, donc les performances sont un petit peu moindres que avec le hybride, donc avec les deux moteurs. Et par contre, j'ai pu constater la consommation de carburant qui effectivement dépassait les 12 litres au 100. Bon, bien sûr, à 160, 170 km/h, il est normal que ça se mette à picoler un peu plus. Mais j'ai vu vraiment la jauge à carburant en fait partir, mais vraiment très très vite. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec les deux réservoirs secs, parce que c'était on va dire, la première fois où vraiment je faisais une conduite très très sportive, pendant pratiquement 45 minutes. Et donc là, l'autonomie, elle a chuté, mais considérablement, parce que j'avais la moitié du plein. Et la moitié du plein, elle a disparu à peu près en 150 km. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez au niveau du compteur, j'ai fait à peine 334 km en tout. Et donc, il m'a mis une moyenne de 10 litres 4 avec ma conduite super sport.
Les 12 litres, oui, je les ai dépassés sur autoroute, effectivement. Voilà, c'était pour avoir cette info. En même temps, j'ai réussi à mettre que l'affichage de la date et l'heure sur l'écran principal. Je vous donnerai l'astuce avec d'autres à suivre. Voilà, je viens de faire le plein. Donc, comme vous allez voir, ici, j'ai mis du samplon 95. J'ai malheureusement pu mettre que 5 litres parce que la cuve, bah, elle était vide. Et du coup, vous voyez l'heure ici. Donc 2 minutes plus tard, il a fallu que je mette du samplon 98. Donc j'ai mis 30 litres. 30 litres plus les 5 litres ici. Donc ça nous fait 35 litres que j'ai mis de carburant. Vous additionnez donc la somme des deux. Donc la somme, elle est où? Elle est ici, 6,14 €. Et là-bas, on va dire, allez, on va arrondir 40 €. Ça nous fait 46 € de carburant. En samplon, alors que rappelez-vous, avant en E85, alors où est-ce qu'il est marqué E85? Oui, E85, j'avais mis 34 litres et j'en avais eu pour 22,94 €, donc en gros, à moitié prix au bioéthanol. Alors, pour des raisons de garantie, etc., j'ai préféré remettre du samplon, comme ça on est tranquille, on n'a plus de problème avec qui que ce soit. Donc là, je viens de mettre le compteur journal, non, cumulateur à zéro. Donc en fait, pour ce faire, c'est très simple. Quand vous êtes ici, vous voyez, en haut, c'est marqué Accumulated Total. Donc quand vous êtes ici, vous les mettez à zéro. Vous venez ici au niveau du volant, vous appuyez longtemps. À peu près 3-4 secondes sur la touche OK. Automatiquement, ça va se remettre à zéro. Donc vous voyez, au niveau de ma jauge à carburant, je suis à 414 km. Comme sur la jauge électrique, elle est à zéro, automatiquement vers le milieu, vous avez l'addition du électrique et du thermique ici. Bah, qui indique toujours 414 parce que bah, le zéro d'électrique automatiquement ne va pas augmenter l'autonomie. Voilà. Bon, je vous donnerai aussi d'autres astuces parce que j'ai réussi en fait à mettre que la date et l'heure au niveau de l'écran parce que sinon ça sort à chaque fois comme ça. Bon, c'est bien, mais on aurait aimé que ça soit autre chose. On aurait aimé qu'il y ait, par exemple, la possibilité de mettre une photo de la famille, etc. Enfin bref, bon bah c'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, regardez, bah, je vous donne l'astuce. Allez, vous avez ici le bouton pour atterrir en fait sur cette page. Bah, il suffit d'appuyer 5 secondes dessus. Là, je le fais. Et voilà. Et ça affiche donc la date et l'heure. Donc, il y a pas mal de petites astuces comme ça qu'on va devoir se dépatouiller entre nous. Parce que comme la notice, elle est en anglais, on va avoir pas mal de lacunes, malheureusement, pour nous y retrouver dans un départ. Mais petit à petit, on va s'y retrouver. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.